Madame, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis autant du député maire de Toulouse, M. Pierre Noël. Et je voudrais rappeler deux ou trois points. Toulouse a été définie comme une ville subtile, épicurienne et tolérante. Subtile de par les croisements d'art de vivre, les mélanges de culture et toute cette vie si agréable qui se réalise à Toulouse. Épicurienne, je ne sais pas si je dois développer, vous avez parlé de l'amour et du désamour, qui est un des thèmes de notre congrès, mais aussi tolérante, car Toulouse a accueilli au fil des siècles des vagues d'émigrations qui se sont superbement fondues dans cette ville, qui l'ont enrichi et qui l'ont fertilisé. C'est à ce titre que Toulouse a été une des villes les plus en phare en matière de santé mentale. Vous avez eu, madame, l'amabilité de rappeler la place tout à fait éminente de l'hôpital Marchand et juste quelques siècles plus tôt, aussi bien Pinel ou Esquirol, qui ont des places à Toulouse, ont marqué la vie intellectuelle de cette ville. Et il y a des grands enjeux. Vous savez tous ici que le 10 octobre sera une des journées consacrées à la santé mentale. C'est une journée de promotion de celle-ci. Et nous sommes très heureux, non seulement de participer à cette journée, mais de réfléchir à plusieurs d'entre nous à l'utilisation de fonds innovants pour défendre la santé mentale. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, lorsqu'il y a le classement des hôpitaux, par exemple, et on voit très peu la santé mentale. On voit les grandes spécialités, on ne voit pas souvent apparaître les services de psychiatrie. Vous avez bien pointé l'excellence de l'hôpital Marchand, mais justement, cette excellence doit être reconnue aussi bien à Marchand que le CHU de la structure, et il y a une sorte d'ostracisme qui peut se manifester. Et nous sommes en train de travailler, plusieurs en France, à essayer de lever toute cette stigmatisation et cet ostracisme. Le thème de ce congrès, finalement, se marie d'une manière extraordinaire avec la ville toulousaine, l'amour, le désamour, les déceptions, les enthousiasmes, les emballements, les coups de foudre. Donc, nulle part mieux qu'à Toulouse, on peut les vivre. Et donc, nous sommes très heureux, au nom de la CIF, que la mairie de Toulouse ait tenu à marquer son attachement dans ce congrès. Nous vous remercions, ainsi que le député maire de Toulouse. Et on ne pouvait pas arrêter le meilleur endroit pour lancer ce congrès que cette salle de votre accueil. Merci beaucoup, madame. Thank you.